voici connecté sur la fréquence un duo rolliste. Bienvenue Retrouvez un joueur et un maître du jeu. Que demander de plus pour vivre des aventures Aujourd'hui, nous nous lançons dans une nouvelle saison grâce au studio Agathe et le monde Deanna pour Donjon et Dragon 5 ème édition. Rejoignez-nous et venez découvrir la Cité Franche, un des joyaux de ce monde. Mais des tourments l'assaillent et un simple apprenti magicien, même pas éveillé à la magie, va se retrouver et contribuer sans s'en douter au plus grand chamboulement depuis la naissance du dieu Tamerak. Retrouvant Frossoyeur et ses comparses tombés sur des restes humains, ainsi qu'une caisse ayant contenu un ou des morts vivants. Quand tout à coup. Donc. Euh, donc tu arrives à déterminer le nombre de corps, apparemment tu as au moins. Tes restes de quatre corps. Et fais-moi un jet de perception. Alors je fais 18 en perception. Ok, ça tombe bien. Et euh, Cave aussi, Enfin, bon, a fait un bon jet. Le seul qui n'a pas fait un bon jet, c'est Isaac, c'est con. Donc, c'est euh... lui qui compte la C'est, <laughs> ça. Donc, en fait, euh, vous étiez hyper concentré sur ce truc-là, enfin ça. Donc, vous êtes le plus éloigné de, d'Isaac, en fait, à ce moment-là. Et, euh, même si t'es hyper concentré, tu, tu vois, effectivement, il y a une sorte de, d'ombre, euh, qui tombe sur Isaac, quoi. Et Cav aussi, le retard mais Isaac, il a pas réagi. Donc, il euh, y a une sorte de corps humanoïde qui, qui tombe dessus. Et, euh, et. Initiative. <laughs> et, et avant, avant initiative. Ah, donc Isaac est un peu écrasé par cette euh, sorte de créature. Euh, on va dire que c'est la, la goule ou la blême, je ne sais pas ça. trop. Mais voilà, sorte d'humanoïde avec une peau euh, humaine mais flétrie, euh, en lambeaux qui tombent. Tu vois à la fois des bouts de et en même temps de chair. Euh, on va dire soit corrompue, soit. Enfin voilà quoi. C'est glauque, les dents très pointues. Et puis même si tu es un peu loin, mais grâce à la lumière, comme tu vois, qui est sur. Euh, sur Isaac, elle se. comme une bête, quoi, qui s'est posée sur son dos, quoi. et elle tourne, elle, quand même vers vous, et donc tu vois ses orbites euh, noires. euh, style, je ne sais pas s'il y a des yeux ou pas d'yeux, mais en tout cas, c'est tout noir, là où, il y a, là où il devrait y avoir des, des yeux. Et sur la mâchoire, tu vois que les. Euh, au lieu d'avoir les, les lèvres, toi tu n'as plus que le. enfin, les dents qui sont abîmées, qui sont dessus, quoi, qui regardent. Et donc, on va juste faire avant l'initiative un petit jet, Donc, toi, tu as un avantage. pas enfin, qu'avantage, mais, faire euh, qu'un enfin, désavantage. Euh, un petit G de. C'est un G de sauvegarde. Un Save de, de Sagesse. Safe, safe, wisdom Ouais. ouais. J'imagine. Sage Wisdom. Ouais, c'est ça. Alors moi j'ai avantage. Donc je vais le noter. Et bien heureusement que j'ai avantage. <laughs> ben, elle a raté. 17. Parfait. Donc toi tu as bien conscience de ce que tu vois, mais ça ne te. Avec toute ton expérience d'horreur et de choses comme ça. Au contraire, fais... je suis super content. Oh ouais. putain, il y en a un vrai <laughs> voilà. Je le dis pas, mais je suis vraiment très content. Par contre, Cave, pour l'instant, elle frise. D'accord. Donc, on va faire l'initiative. Allez. Oula, je suis pas très bon en initiative. Je suis en 5. C'est magnifique. Donc, toi, t'es en 5. Cave okay. et Isaac. Donc, Cave euh, aurait dû agir avant toi, mais elle réagit pas. Euh, Isaac aurait dû réagir, mais vu comment il est, il réagit pas. Donc, ensuite, c'est toi. Et après, ça à ah la goule. Ah, <laughs> Donc, euh, je dis il faut la capturer vivante <laughs> Et je vais. Je, c'est Cave qui a la torche, ne hein, faut pas oublier, parce que c'est lui qui, qui m'éclairait. Donc, je vais attraper mon arbalète à une main. Et je fais ch'tonk. Et je vais stonker la créature. Et je fais. Oula, je fais un magnifique 14 de classe d'armure. Donc, 14. Oh, tu touches. Donc, ta oh flèche, yes. euh, pff, ce carreau d'arbalète, ça Carre ouais. dans son corps, c'est des dégâts perforants d'ailleurs. Ouais. Pour un magnifique. Euh, là, oula, 3 points de dégâts. Ok. Je note. Shtunk. Et okay. est-ce que je peux, en action gratuite, euh, essayer de déterminer de, si c'est un blême ou si c'est euh, un ghoul euh, Vas-y, ce serait un G d'histoire. D'arcane Arcane ouais c'est ouais. mort vivant c'est la meilleure t'es meilleur de toute façon pour en arcane on va dire <laughs> et ben voilà ben j'ai aucune idée voilà c'est <laughs> c'est ouais, trop nombreux je vois ça pas ça peut être voilà c'est ça ça peut être l'un ou l'autre tu vois c'est un chihuahua enragé c'est ça euh, j'ai fait, fait 2 plus 3 5 on s'entend donc euh, c'est un chihuahua enragé là, pour l'instant c'est pas, pas mal un chihuahua enragé on n'est pas, pas contre aussi ouais. Ouais. Munchkin ouais <laughs> donc le à la créature à la créature d'agir. Donc, la créature, même si elle t'a regardé, elle, se... elle plonge ses crocs et ses griffes dans Isaac. Et elle a fait. Tu, tu, tu sais pas comment ça s'est passé ou pas, mais elle a ses mains enfoncées dans et sa gorge, et sa, sa bouche dans le, dans le cou d'Isaac. Je peux te revoir un avis, c'est que ça fait. Ça fait. Ça fait. Justement, ça fait pas ni de Donc, peut-être que ça a pas ça t'a pas, la... pas transpercé la ouais la l'armure de cuir de d'Isaac alors nouveau round donc alors je vais faire un truc pour <laughs> donc euh, cave est toujours en mode euh... en fait elle lâche même son son bâton et elle est toute tremblante euh, Isaac il va essayer de se dépêtrer de son Oui donc tu vois qu'il euh... il bouscule la créature. Et donc il, se... il passe son action à se... à se remettre face à elle, quoi, à toi. Alors moi ben, mon action, je vais m'approcher de Cave et je vais la secouer pour lui dire, bon allez, euh, il faut, il faut remettre. Hein. C'est juste une petite bébête, hein. Allez, hop. Et comme ça, ma seule, c'est ça ma seule action. Et en fait c'est pour lui donner avantage à son test, de... à son save pour le prochain tour, mm -hmm. parce que j'ai une idée de choses que je voudrais faire. Okay. Donc c'est ça ma... mon action. Parfait. Donc, c'est à la goule qui va encore taper sur. Ah, et tu vois qu'elle est sur le coup d'être surpris ou autre, elle, elle rip et elle, elle glisse au sol sur, la... enfin, sur le côté d'Isaac, quoi. <laughs> Alors, Tout voilà ce round. que je dis. Non, attends, attends. Ouais. <laughs> je, je crie à Isaac. Vas-y, continue. Il faut que tu la distrais pendant une petite minute. On a besoin un peu de temps. <laughs> <laughs> tu, 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 euh, ils sont, euh, ça va être à Kav après Isaac ok donc t'as dit ça on va voir comment il réagit donc avantage pour euh, donc cette fois c'est bon donc euh, elle euh, tu vois elle se, elle se reprend et donc elle euh, elle réagit elle se rabaisse elle reprend son et avant qu'elle fasse son... quelque chose je lui dis cave j'ai besoin de toi on va faire un truc attrape ce bout de corde donc à mon tour euh, je, je sortirai la corde de mon sac donc c'est à Isaac ok donc Isaac il est euh, il est loin de vous et ça défends-toi défends-toi il, voilà, il sort son arme et il tape mais non il défend bah il sur le coup il a essayé de sortir enfin mais taper, tapé il a raté en fait sur le coup il est dans, les... dans le truc et attends non, il a l'avantage ah. parce qu'elle est au sol on l'aura pas après ah c'est bon le... il touche à l'école de la vigilance euh, défense totale tu sais c'est ah. bien ouais bah là, il est sorti et il a tapé et il a réussi à toucher donc euh, tu vois que son épée apparemment euh, s'enfonce dans le dans, dans ce corps tu vois que l'épée est plantée dans le la... truc ok euh, nous, donc bien. à elle donc à elle de taper attends elle est non c'est moi d'abord oui, c'est ah, ouais. oui. Oui. Donc je sors la corde de mon sac, c'est ça même mon action, je, la, je donne le bout à, à un cave, et j'ai dis on court vers elle, et ensuite, on l'entoure de la corde et on l'immobilise. Mm. En action coordonnée tous les deux. Mm. Au prochain round, bien évidemment. Mm. Donc tu, tu passes ton message, je pense qu'après tout on a entendu comme il faut. La goule, donc, euh, puisqu'elle était sur le sol, elle vient de se prendre des épées, en fait, elle se, elle se, elle se, elle se lève, elle s'enfuit, donc elle fait une attaque d'opportunité pour... Euh, elle s'enfuit. Ah non, non, on va courir après. Il y hors de question qu'elle en, bah en tout cas, là, c'est ce qu'elle fait. Largement, tu peux courir après. mais... Donc, elle se prend une attaque d'opportunité d'Isaac, de... oh, puisque son épaisseur, il aura sa main. Et il rate euh, l'opportunité. Donc, il, re... il veut remettre un coup, mais elle est, elle est déjà partie dans les dans méandres la... de la labyrinthe. Ouais mais comme Claire okay. et moi on n'a pas bougé, on commence à bouger du coup, parce qu'on a fait on fait tous nos mouvements pour aller jusqu'à vers elle donc on veut pas oui. s'éloigner hein, c'est ça le but. Mais, sauf que là elle vient de faire elle vient de faire son mouvement déjà et vous vous êtes non mais on va le faire dans le bon sens, hein. ce que je veux dire c'est que elle euh... s'éloigne, ouais, mais on s'approche donc c'est euh, ça. Ok elle va faire toute, façon, a... tout son mouvement et, nous aussi. et vous vous êtes vous avez toute la lumière parce que vous êtes à l'opposé du. Oui oui Alors, on euh, est loin, le loin mais ce on... le but c'est pas se faire distancer qu'elle disparaisse pas de, ouais, du... dans un couloir quoi. Okay. Donc elle, la course euh, poursuite c'est donc, donc 12 mètres c'est ça là donc c'est du rayon de la truc donc 12 donc vous étiez à peu près à 20 mètres c'est ça de si je me trompe pas entre Isaac, la caisse et vous le côté du mur puisque ça éclairé jusqu'au bout euh, ça fait à peu près 20 mètres quoi donc c'était à 20 mètres d'Isaac et euh, donc elle vient de partir avec un deux fois son mouvement quoi. Donc là vous la voyez, elle est, vous savez dans quelle direction elle est partie mais elle est plus éclairée par la lumière. Eh bien, on court. Hein. Donc là, c'est qu'avant-premier, faut... à... donc tu demandes de courir avec la... Non, il faut que tu mettes ta vitesse, en fait. Ben on n'est pas si loin en initiative que ça, donc on court en même temps, et puis... Euh... Okay. Et puis et ceci, la corde, elle est longue, hein. même si elle me dépasse euh, la corde, euh... et même si elle dépasse de base de 30, de 30 feet, de 9 mètres, la corde est toujours là, quoi. Hein. Okay. Donc euh, on court, on court, on court. Donc vous faites deux fois votre mouvement. C'est ça. Et j'imagine que le terrain n'est pas égal, donc ça se trouve... Euh... Il va falloir qu'on se casse pas la gueule mais que la goule ou la blême euh, peut-être a des risques de se casser la gueule aussi, que ça rentre. Je sais pas comment tu veux gérer la course poursuite euh, entre, entre nous tous quoi. Bah là voici de voir déjà avec le premier tour à quel, euh, quelle distance vous pouvez être d'elle pour savoir si vous avez vous arrivez encore à la voir ou autre quoi. Déjà. Ouais. Parce que Kav, euh, il faut qu'elle couvre avec, avec la torche aussi, c'est ça Ben, bah, la, la, la torche et le. Bah oui, on a besoin de la torche. Mais ça je peux la prendre la torche à la rigueur, ça me dérange pas. Je peux avoir la torche et juste la corde. Et Kav, euh, elle peut avoir euh, la corde et son bâton, par exemple. Mmh. C'est compliqué d'avoir le bâton. Donc elle fait ça, vous avez échangé, avez... ça prend un micro seconde quand même, un de 5 secondes pour courir tout ça. Donc courir. Euh, vous avez couru, vous faites 18 mètres à peu près, donc vous êtes quasiment revenu au niveau d'Isaac dans votre mouvement, quoi. Et, euh, et ça éclaire à peu près de 12 mètres, c'est ça, à peu près, la, la torche. Donc elle, elle, a fait plus en, en... donc c'est dans le noir dans un sens. Donc est-ce qu'elle est partie de droite ou elle doit ben, faire un jet de perception Ouais, allez, faisons ça. Avec des avantages. Ah, alors faisons ça aussi pareil. Mais avec des avantages. Perception. Ouais. De Donc, 8 plus 3, 11. Ok. moi. Alors, pour euh, Cave. Euh, si je lance un D8, ça va pas donner un bon score. <laughs> Surtout avec des avantages. C'est ça. Donc, euh, elle a fait 14 sur son G2. Plus, 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 de plus 32. 18. <laughs> ah, vous 18, Donc, elle sait. Ouais, euh, enfin, elle sait. Donc euh, effectivement, on peut s'aller, elle est moins pénalisée par la, la lumière. En fait, la, la goule, a priori, a pris un boyau sur un côté un peu plus loin. Quoi. Donc, euh, elle n'est pas du tout dans votre, votre secteur. Donc là, Isaac, vous lui demandez de courir avec vous aussi, donc de, de rester en groupe, je présume. Donc, euh... ben oui, Voilà. Donc, a priori, c'est à toi d'agir. Donc, tu cours jusque-là. Donc, si c'est la goule. Tu sais pas trop ce qu'elle fait et où elle est donc là c'est re à vous donc vous allez dans le là où elle est arrivée donc patauger tout ça bah en fait, c'est ben, pareil faire un jet de perception pour voir si vous la voyez avec des avantages oula j'ai fait bien j'ai fait 14 et deux ils ont fait euh, ils ont fait moins donc euh, non vous voyez plus de traces pas de forme pas de rien et on l'entend pas bah ben, c'est un jet de perception global que vous avez fait <laughs> donc oui, hormis donc les bruits du euh, du voilà donc euh, déjà par sa couleur un peu euh, bah, la, la couleur de sa le peau, tout ça, elle passe pas facilement. Euh, Il y a du sang. Un truc. Elle s'est fait transpercer par une épée et par une par un carreau. Ça se trouve elle perd du sang. Ouais. Bah. Est-ce que les morts vivants ça la... a du sang Non. Bah, ouais. c'est ce que tu vois le l'épée de l'épée d'Isaac en fait elle est pas couverte de sang quoi. Donc, ouais euh, c'est ça c est, c est, Donc y a pas de traces et, et a priori elle a pas vraiment à mordre elle a pas réussi à mordre Isaac euh, voilà. En plus, vous êtes passé à côté, vous l'avez pas vu tout, 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 tout le truc. Donc là, compliqué. donc c'est facile. Non, non, c'est pas compliqué. On va, on que... va faire demi-tour en faisant attention qu'elle ne retombe pas sur le paletot. et on va mettre notre plan à exécution. Donc, euh, laisser la pierre d'alarme à côté de la caisse ou à côté des os. Hum? Ensuite, on va ressortir les égouts, on va les prévenir euh, de l'endroit où c'est qu'on a trouvé la, la créature puisque à mon avis elle reviendra là mm -hmm. et ensuite revenir là ça doit être tard quand même la nuit et puis on doit bah, commencer là c'est clair là, vous êtes en pleine nuit et enfin euh, maintenant c'est la pleine nuit et vous êtes quand même bien fatigué ouais. c'est ça donc euh, donc ce qu'on va faire c'est que donc on va partir avec la pierre d'alarme qu'on laisse, qu qu laisse là et ensuite euh, donc on va on va sortir on va probablement aller dormir un peu le lendemain, on va aller voir Herbert et le reste et en disant, ben voilà, ça y est, on l'a trouvé, euh, voici l'endroit, etc. Il faut ramoter le truc. Et ensuite, le soir, euh, le soir, pareil, on va aller se mettre en planque et en fait, compter qu'elle va revenir sur, euh, vers la caisse et se cacher. Et en, une fois qu'on a la notification de l'alarme qui dit qu'elle euh, qu est, est, qu est à côté de la caisse, ben ensuite, c'est nous qui lui... En fait, on lui... Bon, je refais. En fait, on utilise, le lendemain le lend le lend le soir, on utilise la pierre d'alarme pour se mettre à l'affût et faire une embuscade si elle revient, euh, à cet endroit-là. Et éventuellement, on va, ah, si, j'ai trouvé. On va prendre un appât. On va amener une chèvre. Ça fait bien du bordel, une chèvre, ça lui être bien. Donc, on va attacher la chèvre à côté de la, de la caisse. Mm -hmm. On se met en embuscade. Et si la créature vient attaquer la chèvre ou vient vient par là, ça va déclencher l'alarme. Et ensuite, nous, on lui fait une embuscade avec tous les renforts qu'on a pu récupérer. S'il y a des renforts qui peuvent venir avec nous, sinon, ce sera juste nous, nous trois. Est-ce que ça paraît un plan faisable au grand maître du jeu Donc, toute cette partie-là, c'est euh... C'est faisable, enfin, sortir, le truc, alerter, dérousser, se mettre en plan, tout ça, c'est tout à fait faisable. La on question, va dormir, il que... faut atta... on revient que le lendemain. Ouais. Hein. C'est ça, oui, oui j'ai bien compris, c'était le lendemain, ça. Euh, la question que j'ai par rapport à ça, c'est, pour Arthur, il sait que s'il fait amener les troupes, donc euh, c'est enfin, clair, hein, ils ne vont pas y aller que enfin, pas que vous, quoi. il y aura des, des troupes de la Vigence qui vont venir exprès, on va dire, décrit ce que tu as fait, et ce que vous avez vu, tout ça, ils vont prendre certaines précautions, quoi. Pour accompagner tout ce qu'il faut, donc, il y aura les forces nécessaires. Ce que Arthur pense, c'est que c'est quasiment certain que vous êtes obligé de passer devant le, à proximité du campement des, ah ouais, des sans-papiers, euh... on va dire. Donc, ça ouais. veut dire qu'ils vont se faire repérer. Donc, c'est, enfin, un choix, hein. C'est après, Arthur, il choisit ce qu'il veut ou pas, ce truc là Donc, ça, c'est le premier point. Qu'est-ce que, est-ce que dans ton plan, non. tu fais quelque chose pour eux ou pas? Euh, non. Euh... Parce que si vous faites ça, en gros, ils se feront arrêter. Non, non, non peut-être pas, ex peut pas expulsé, ça, c'est ce que, c'est le truc. De toute façon, la vigence, elle va tuer la créature. La vigence va tuer la créature, il y a de fortes chances, oui. Alors, c est, c est, c est, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux pas la tuer. Je veux l'étudier. Donc, est-ce que je peux trouver, si je demande à Herbert, hein, oh, je, je travaille avec Herbert et Cave, il y avait, il y a deux types de profils que j'aimerais. Un trappeur, qui serait capable de mettre des pièges qui l'immobiliseraient. Comme ça, elle se barrerait pas en courant. Et, un prêtre, éventuellement, qui serait capable de l'immobiliser de par la foi. Tu sais, il y a un, un clerc. Voilà, je, ces deux profils, et au pire, on, on revient en petit groupe, avec toujours Isaac, parce que c'est le, le seul combattant, pour être honnête. Et, et Cave, et éventuellement, et, et ouais, idéalement, un trappeur et un clerc, euh, pour aller pour aller, pour aller aller tendre le piège. Et, et j'explique à tout le monde que le but, c'est l'attraper et l'immobiliser et pas, euh, pas pas la désinguer alors tu vas devoir commencer à faire un jet de persuasion pour que Herbert ait plutôt envie de dans ce plan là que le premier qui était plutôt on envoie de la vigilance on y va et on nettoie le problème alors étant donné que je connais Herbert est-ce que est-ce qu'il a des des trucs qu'il aime est-ce que je peux lui promettre à la place tu sais la pâtisserie qu'il préfère tu sais un truc qui me donnerait un avantage pour le persuader euh, ou qu'on jouait sur sa peur que machin ou je sais pas, hein. euh, par exemple, euh, il aime les gâteaux aux fraises euh, de euh, sur le marché. Il suffit de dire, ouais, si tu m'aides, peut-être qu'on pourrait aller acheter des gâteaux aux fraises. Tu vois, un truc comme ça qui me permettrait de, de jouer sur ce sentiment. Euh... Fais-moi un jet d'investigation avant pour savoir si, avec le temps que tu as passé avec lui et tout ça, ah bon, et avec avantage J'ai euh, bah, déjà fait 20. Est-ce que j'ai besoin okay. d'aller plus... Euh... Non, non, c'est bon. Donc, euh, tu connais suffisamment. Donc, on va dire que oui, tu feras un avantage pour ta persuasion. Je n'ai pas encore euh, en tête quoi, mais on va dire que tu as, as quelque chose, un argument qui servira Donc, de... 18 et de 20 pour euh, ma persuasion avec avantage. Ok, donc lui... Euh, non, c'est bon, tu, tu le persuades. Donc, ok. Donc, euh, vous allez mettre ça en place pour essayer de capturer. Donc, on va dire que c'est monter un plan pour capturer, parce que vu l'heure qu'il est, pour avancer, pour capturer la, la goule. Mm -hmm. Ah, c'est une goule, alors, du coup Ou la blême <laughs> <laughs> la chose. La chose. La chose. La créature du chancre. Par contre, ça va prendre peut-être 2-3 jours pour retrouver la bonne personne et tout ça. Mais vous pouvez le faire, on va dire, d'ici 3 jours. Ok. Bon, c'est dans l'intérêt de la science, tout ça, ils vont pas disparaître. Euh... Alors, du coup, si j'ai 3 jours, j'en parle à mon professeur, donc au magister Severus. Et je lui demande si l'école aurait, par exemple, des des moyens pour sécuriser un mort-vivant pour pas qu'il s'échappe et qu'on puisse l'utiliser pour faire les expérimentations. Et je lui raconte euh, l'histoire qu'il y a des morts-vivants dans, dans, dans le quartier, blablabla. Euh, bla bla, donc je, je lui dis en, en très gros euh, la situation et je lui demande si si, si j'arrivais à ramener le truc qu'on pourrait l'étudier parce que euh, ça serait c'est une créature du chancre on connaît pas beaucoup le chancre. Euh, lui, lui c'est mon professeur il est nécromant comme moi donc euh, tu vois c'est un bon sujet d'étude je trouve ça bien euh, je vais prendre la, la réflexion hors scénario pour réfléchir à ça parce que j'ai pas pensé à cette approche là donc je vais réfléchir à ce que le prof en tout cas oui oui t'es pas obligé de le faire dire... mais c'est juste si on arrive à la capturer la ramener vivante au pire on trouvera une cellule quelque part où on l'enfermera mmh. En, tu sais, attacher, ligoter, c'est très très fort euh, la majorité des temps. Donc il faut doit trouver des chaînes et des machins. Mais ça c'est mm -hmm. ça c'est trouvable quoi. Mm -hmm. Et au mieux, ben on est capable de la ramener dans un endroit sécurisé de l'école de magie, histoire okay. qu'on puisse étudier euh, le chancre, mm -hmm. la propagation du chancre, euh, l'effet du chancre, euh, pourquoi, comment, tu sais le, le rapport entre la magie corrompue et le chancre. Tu vois, il y, okay. y a plein de sujets euh, qu'on peut faire. Mais tant que c'est sécurisé et qu'on qu qu commence pas à s'évader, qu'elle commence à bouffer tout le monde dans l'école. Ok, donc je vais étudier ça. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu fais par rapport aux, aux informations que as trouvées dans les trois jours ou autres euh, Je, oui. Euh, deux choses. Et à la rigueur, si on pouvait partager la tâche avec euh, Cave, ça nous accélérerait. Donc j'aimerais que elle, elle s'occupe de ces symboles qu'on a vus. Mmh. Éventuellement d'aller à la bibliothèque ou je sais pas, de y avoir des, des, des moyens de savoir. Moi, de mon côté. Je fais deux choses. Une qui me prend pas beaucoup de temps et l'autre qui me prendra peut-être un peu plus de temps. Donc là, celle qui me prend pas beaucoup de temps, c'est demander à droite, à gauche, s'il y a des gens qui seraient intéressés ou qui pourraient abriter les 20 réfugiés contre travail, hein, pas, pas, pas de l'esclavage, mais contre travail. Des gens du quartier que je connais. Je suis pas très populaire dans le quartier, je leur parle, je parle pas beaucoup, mais je soigne beaucoup de monde, donc euh, avec un peu de chance. Et, mais, mais je le fais euh, au passage, quoi, si je rencontre quelqu'un que à qui j'ai confiance mais mon activité principale en fait c'est me renseigner sur ces espèces de cloques que je n'ai pas réussi à diagnostiquer sur cette, euh, sur cette femme et son enfant ok donc je vais te traiter les différentes ça ces deux points là le, pour abriter et se renseigner sur des en aparté quoi je te donnerai les infos mm -hmm. après pour les symboles donc vous aurez les informations suivantes le symbole le plus ancien le plus effacé en fait c'est un symbole qui appartient euh, à... Un comté du Drakenberg. Hmm. Et euh, avec ce symbole-là, il y avait aussi une sorte de numéro. Donc il y avait marqué comme. Le numéro, c'était 3 sur, tu vois, quelque chose comme ça. Et euh, le symbole le plus récent qui était sur la partie devant, ça correspond en fait à un des symboles d'une des euh, mafias locales, qui est la Rakhisa. Voilà. Donc ça, j'imagine que je peux le faire passer à Isaac. Et probablement leur dire que la Rakiza fait importer des créatures corrompues par le chancre. Et qu'il faudrait qu'ils fassent gaffe. Le... Alors le truc de corrompu par le chancre... Mais c'est les morts vivants, donc les euh, morts vivants, ouais. ce n'est pas des créatures euh, corrompues par le chancre Je vérifierai. Mais c'est ce que Arthur peut penser en tout cas. Et euh, pour s'appuyer sur son discours. Donc ça c'est le premier point. L'autre point par rapport à donc euh, la quarantaine, enfin la mise en, en quarantaine, donc ça je vais te répondre un truc. L'autre chose qui va se passer dans les trois jours, c'est en fait dès le lendemain, tu es convoqué à la, par les messages usuels, quoi, à l'académie, quoi. Et, euh, et donc tu as un entretien avec le, un des membres du personnel. Euh, suite aux événements actuels en cours de l'académie, tu comprends que c'est lié à une histoire de disparition. Vous allez dorénavant euh, être en binôme, et euh, vous aurez pour. Euh, consigne de toujours vous déplacer avec votre binôme. C'est aussi, nous avons considéré que c'était une façon d'améliorer pour les études, les échanges scolaires et s'entraider tout ça. Donc, nous avons nommé différentes personnes. Compte tenu de votre profil un peu atypique, nous avons trouvé un étudiant qui est aussi atypique que vous. Et, euh, et bien sûr, tout manquement, le fait de ne pas être avec son binôme à quelques moments que ce soit de la journée ou autre, c'est l'exclusion de l'académie parce que nous ne voulons pas avoir de problème et que tout est fait pour votre sécurité donc si vous jouez pas le jeu de la sécurité c'est que ça et donc on, on te force <laughs> et on te ah, met alors, en relation ouais je vais pas dormir avec lui quoi ça s'arrête un moment le binôme je, je vais pas aller aux toilettes et avoir un gars qui me, qui me suit non plus quoi c'est quoi les règles pendant, pendant qu'on est à l'école il y a quelqu'un et puis en dehors on a une vie quoi. en fait c'est inversé tout, euh, tout déplacement en dehors de l'académie se fait avec le binôme et euh, tout le temps. Vous devez être tout le temps ensemble. Et euh, en même temps, c'est vrai que la plupart des étudiants sont plutôt constamment sur le campus, ils reviennent sur le campus, ils n'ont pas la même vie que toi, hein, qui est un peu atypique. Donc, euh, donc ouais, tu, tu peux poser quelques questions euh, ou autres sur le sujet. Ben, J'explique je que moi, j'ai un travail et que je, pour payer mes études. Et donc, euh, ça ne va pas marcher parce que je ne peux pas avoir euh, quelqu'un qui me colle au basque tout le temps sachant que j'ai du boulot, quoi. Donc, j'en appelle au bon sens du doyen de l'académie qui comprend que, effectivement, je suis pas un étudiant standard et qu'il euh, faudrait trouver un accommodement raisonnable pour euh, faire en sorte que je puisse payer mes études et bouffer. Quoi. Donc, en fait, tu exposes ton cas. Monsieur, tu peux se faire un jet de persuasion. Allez. Avec des avantages, d'ailleurs. Avec des avantages Ouais. Oh putain, c'est encore moins bien. Oh, j'ai fait 17 et 13, donc ça va être 13 plus 2, 15. C'était pas mal. Donc tu vois que tu pensais que étais très convaincant et tout, mais ils sont intransigeants, quoi. Donc oui, oui, on a bien conscience, vous êtes atypique, donc ça tombe mieux. On a un étudiant aussi qui est atypique aussi, et donc, euh, eh ben, il vous accompagnera dans votre travail. Ça sera sûrement très formateur pour lui et, et très intéressant. Euh, donc, en fait, tu te retrouves avec un, un, un autre étudiant aussi atypique qui s'appelle Tanaël, qui est, euh, donc, dans les trois jours, là, je sais pas comment tu feras avec, mais il sera, à défaut, par défaut, entre guillemets, il sera avec vous aussi, quoi. Qui est un étudiant euh, qui se spécialise dans euh, tout ce qui est la magie de, je sais plus à casser, mais c'est le feu. En gros, c'est le feu. Évocation. Voilà, évocation. Donc tout ce qui est autour du feu, tout. il Tu vois qu'il est passionné par ça, ça brille ses yeux, le feu, les voir, les flammes et tout ça, et euh, super motivé et donc euh, très atypique parce qu'il était euh, plutôt, euh, comment dire, il a fait souvent des accidents, quoi, et euh, parce qu'il a l'air assez maladroit quand même. Et lui, c'est un éveillé, par exemple. Lui, c'est un éveillé, ouais. ouais, lui, ça marche. <laughs> donc voilà, donc tu vas avoir aussi un autre, euh, un autre personnage avec toi qui s'appelle Tanaël. Tanaël, ok. Bon, bah, je suis quand même gentil avec lui, hein. c'est pas sa faute, hein. je lui explique que j'ai du boulot et qu'il va falloir que je fasse des choses et que eh ben, soit il suit, soit il refuse de me suivre, mais c'est pas mon problème. Euh, bah, tu dis qu'il est très content dessus parce que l'académie, c'est toujours bien, mais on pratique pas assez et là, au moins, comme ça, il aura l'occasion de faire plus de choses et de tester et ils la font donc. Euh... Sauf que ça le gêne pas comme ça d'accompagner tout, quoi. Je les rappelle, les, ra les règles de sécurité minimum. Donc, on fout pas le feu, machin. On joue pas avec le feu, machin. Donc, euh, je lui explique très gentiment qu'on m'a mis au parfum de ses différents défauts et que s'il si commence à foutre le feu partout, ça va mal aller aussi. Oui, oui, oui. Et toi, on m'a dit aussi que tu étais asocial et que, en plus, tu n'étais même pas un éveillé, quoi. Donc, euh, ça fout la loose de travailler. Et t'as vu ton âge donc euh, c'est c'est bon. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est comme ça. On se débrouille. Écoute, bien. Euh, ça tient qu'à toi de déserter. Hein. Ah non, je veux pas me faire chasser de l'académie. C'est le seul moyen que je vais avoir pour euh, développer mes pouvoirs et, et bien comprendre cette science pour bien maîtriser la puissance du feu. désigné par l'académie de magie pour sa sécurité alors que l'on se prépare à capturer une goule. Pour la suite de l'aventure, retrouvez-nous très prochainement. Abonnez-vous pour être notifié. Suivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur notre site web toutattaché.net. N'hésitez pas à partager vos commentaires et encore merci. Bon jeu.